Good morgen, allez, Yidane, je suis aujourd'hui, il est l'unishmat, et Sharon ben Fortuné Mazal, Claude, Israël ben Fortuné Mazal, et Tamar ben Monique Assouline. Si vous souhaitez, vous aussi, Yidane, notre prochaine étude de Mishnah contre l'État, 5e vient éternel. Nous étudions la Sérène Beitza, Perigbet Mishnah Tet, Harichaim Shel Pilpelin, Tmea Mishum Shlosha Kelim, Mishum Kli Kiboul, Mishum Kli Matachot, Mishum Kli Kevara. Deux Mishnayot, les deux prochaines Mishnayot, un hors-sujet total, aucun rapport avec Beitza. On va parler d'Ilchot Touma Vetahara, des lois de pureté et d'impureté des ustensiles. Il y a un traité entier, sixième volume de la Mishnah, c'est Taharot, ça parle que de ça. Là, étant donné que dans la Mishnah précédente, on a évoqué l'histoire du Rechaim Shel Pilpelim, le moulin avec lequel on moule les Pilpelim, les poivres, le poivre ou le poivron, je ne sais pas. Alors du coup, on va apporter des précisions de Hilchot Touma Vetahara sur cet ustensile, qui est composé en fait de trois parties. Il y a la partie du dessous, c'est-à-dire, le but, c'est quoi? C'est de prendre du... On va dire, je pense que logiquement, c'est du poivre, quoi, c'est quand même sûr. On va prendre des grains de poivre, on va les écraser. Puis après, il va falloir séparer la petite poudre qu'on veut récupérer de celle qui ne s'est pas écrasée. Il y a un appareil, en fait, qui est le Rechaim Shel Pilpelim, le moulin du pilpel, où en fait... Ça se passe comme ça, il est composé de trois parties. La partie du dessous, c'est le bet kiboul, c'est le récipient où on tombe dedans et il est en bois. Retenez bien, il est en bois. La partie du dessus, c'est un tamis, une passoire, qui va laisser passer la fine poudre et qui va retenir les grosses impuretés qui n'ont pas encore été bien moulées. D'accord? Et il y a au-dessus de ça, il y a une sorte de, si je peux dire, de sorte de récipient, mais où il y a des trous dedans. Ou dedans, on va mettre le pilpel, et puis on va l'écraser. On va l'écraser avec un quatrième ustensile qu'on ne va pas évoquer dans notre Mishnah, avec une pierre ou avec un pilon. On va les écraser, jusqu'à que ça va se réduire en poudre plus ou moins épaisse. Ça va tomber en dessous, sur le tamis. Et puis le tamis, il va retenir, il va laisser tomber que la petite fine poudre pour en dessous, on va la récupérer. D'accord? Vous avez retenu, donc il y a trois parties. La Mishnah l'a renseigné, elle me dit, tu sais, lorsque... cet ustensile se casse, s'il se déboîte, sache qu'il y aura, en réalité, c'est pas un ustensile, mais c'est trois ustensiles distincts, avec des propriétés différentes. On s'y explique un peu mieux. De manière générale, tout ustensile qui se casse n'est plus impur. La Torah, c'est une grande notion qu'il faut intégrer lorsqu'on étudie le Chotuma Vetahara. À part, on ne parle pas des aliments, on parle des objets. Un objet ne devient impur que s'il a un statut d'objet. L'ustensile apte à être utilisé. Mais une fois tant qu'il ne l'a pas, par exemple, vous êtes en train de fabriquer un verre, vous n'avez pas fini de le faire, même de le peindre, il est déjà formé tout ça, mais vous comptez le peindre. Vous n'avez pas encore, il n'est pas encore peint, il ne véhicule pas d'impureté pour le moment, c'est pas encore un ustensile. C'est encore du mortier, c'est encore de l'argile creusée, mais c'est pas encore un verre. Ça devient un verre quand vous avez, une fois que vous l'avez fini, vous dites, ça y est, c'est un verre, vous acceptez que c'est un verre, vous avez fait la dernière... le dernier coup de marteau pour qu'il achève. Ça, c'est une notion générale qu'il faut avoir. Pire que ça, lorsqu'on a un ustensile qui est devenu impur. Si vous cassez l'ustensile, c'est plus un ustensile, il a perdu son statut d'impureté. Il va y avoir des soumioses dans la Gemara, qu'est-ce qui se passe si je le casse et après je le recolle, est-ce que ça marche ou pas? Ça, après, c'est déjà des détails. Maintenant, donc un ustensile qui se casse, il perd son statut d'impureté. Ça, c'est la première introduction. Deuxième introduction, chaque ustensile, il a, selon sa matière, il a des propriétés différentes. Un ustensile en bois ne véhicule d'impureté que si c'est un récipient. Par contre, si c'est un objet plat, une cuillère en bois par exemple, où il n'y a pas une cuillère, prenez un, je sais pas moi, un bâton en bois par exemple qui sert, qui est un ustensile, c'est un pchut éclair, il ne véhicule pas d'impureté. S'il est en fer, il véhicule l'impureté. Si en métal. Ok? Maintenant du coup, si vous fabriquez un ustensile en bois mais qui ne retient rien, qu'il n'y a pas de forme de récipient, quoi, où on va remplir dedans, ça ne véhicule pas d'impureté. Du coup, je reviens maintenant sur la Mishnah qui va nous dire Arechaim Shel Pilpelin. Donc, le Rechaim Shel Pilpelin, le moulin du Pilpel. Tmea Mishum Shlosha Kelim, il véhicule une impureté parce qu'il est il a un statut d'ustensile apte à véhiculer une impureté pour ces trois ustensiles qui le composent. C'est pas un seul grand ustensile.
Ces trois ustensiles, en fait, qui s'emboîtent, qui fonctionnent ensemble, lorsque tu les détaches, chacun indépendamment, il garde son statut d'ustensile, et il a ses propriétés différentes qu'il faudra, en plus de ça, veiller selon la manière dont ils vont véhiculer l'impureté. Il y a Mishum Klikiboul, il y a le récipient qui est à cause de Klikiboul, le récipient qui est en dessous, et même s'il est en bois, il véhicule l'impureté, parce que cette fois-ci, ce qui est un récipient qui retient, ça véhicule l'impureté, même si c'est en bois. Ou aussi Mishum Klimatachot, à cause d'un ustensile qui est en métal. Là, on parle de la partie qui est en haut, tout en haut, où comme on a dit, on va prendre le pilon, on va écraser. Cet ustensile-là, il est partiellement en fer. S'il était entièrement en bois, si vous prenez du bois, vous lui faites des trous, de manière à ce qu'il ne va plus pouvoir retenir, eh ben, il ne va plus véhiculer d'impureté, parce que ce n'est pas un ustensile qui retient. Il y a une quantité de trous à avoir, une certaine épaisseur. Mais en tout cas, il va plus, puisqu'il ne retient rien, c'est pas un cliquiboule, s'il était en bois. Mais parce qu'il est en fer, il véhicule l'impureté. Et la partie du milieu, au Mishum Kli Matachot, et non, ça on l'a dit, au Mishum Kli Kvara, et aussi à cause du fait qu'il soit tissé. Alors là, on est dans un tout autre domaine. Même si on a dit qu'il y a des propriétés spéciales pour les objets à l'état pur, du bois, et pour le fer, et tout ça, quelque chose qui est tissé, il véhicule une Toumat Bgedim. Tissé, ça veut dire que tu as fait des tiges qui se sont entremêlées, entrecroisées, pour fabriquer maintenant une forme de tissu. En l'occurrence, même si tu vas faire, par exemple, tu vas utiliser des fines brindilles de bois pour fabriquer ce tamis, par exemple, là, tu les as tissées pour en fabriquer, ça véhicule l'impureté. Donc le but de la méchant, en fait, il aime m'apprendre trois choses, il aime m'apprendre deux points. Il aime m'apprendre d'abord que sache que ce gros ustensile qui s'appelle le moulin des épices, sache que c'est pas un grand ustensile, c'est trois ustensiles. Chacun a des propriétés différentes. Et premièrement, c'est trois ustensiles. Chacun va véhiculer des impuretés indépendamment de l'autre. Même si tu vas le déboîter, il continue à véhiculer l'impureté. Premièrement. Et deuxièmement, en plus de ça, ils ont des propriétés différentes. Il y en a un qui a un cli en bois. L'autre, il a un statut de cli matéchet. Et l'autre, il a un statut de vêtement, d'objet tissé. D'accord? Il y aura des conséquences, par exemple, juste pour un titre indicatif. Un ustensile en bois. Si jamais toutefois il y a, on va dire comme ça, il y a un objet en métal qui va toucher un mort, l'objet en métal il prend une touma très violente. Il va devenir comme le mort, il prend la même touma. Alors que si c'est un objet en bois, c'est discuté, mais en tout cas je rapporte tel que ça rapporté ici, dans le Mefarshim, que si c'est un objet en bois qui va toucher le mort, alors le mort, il a un niveau fort de avi avatatouma, l'objet qu'on a touché, il est devenu avatouma, il a perdu de son niveau. Quand il est en fer, le fer, il prend le même statut que le mort lui-même. Il vient à vie à votre lui aussi, en fait. D'accord? Si vous l'avez compris, sinon c'est pas très grave. Donc la Mishnah vient juste me dire que sache que veille, comprend bien qu'il y a ici. Il y a trois ustensiles distincts. Et chacun véhiculera une impureté différente selon sa composition, selon sa fonction. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.